C'était en fait la grande sœur d'une amie qui était costumière ici. Et donc, on allait la chercher au travail et elle nous a fait visiter les ateliers. Et j'étais vraiment impressionnée par cette fourmilière qui était là, derrière en fait la scène. Et par l'arrière, depuis les ateliers, j'ai pu me balader. Et à un moment donné, j'ai abouti sur scène. Et là, c'était vraiment, voyez, impressionnant, le dôme, les peintures, les sièges, même si la salle était vide, le velours chaleureux, chatoyant. Je me suis très vite fait un film dans ma tête en m'imaginant les gens, les applaudissements, les grandes tragédies humaines qui devaient se jouer ici. Et c'était pas concret dans ma tête, mais c'était juste l'imaginaire. Et donc, c'est dire que cette salle, même vide, déploie l'imaginaire et invite finalement à l'évasion.